année scolaire 2014-2015. Paul Rabat apporte des précisions. En principe, les élèves des établissements publics devraient regagner les bancs des écoles d'ici le 6 octobre prochain. À 3 semaines de la date fixée, Paul Rabat, ministre de l'Éducation nationale, rassure que les préparatifs se déroulent selon le calendrier défini. Il a également rappelé que les parents d'élèves n'auront plus à s'acquitter du salaire des maîtres Fram, car dorénavant, l'État s'en chargera, de même qu'une partie des frais d'inscription. Le ministère de l'Éducation nationale se portera également garant du paiement des salaires des enseignants au cas où le TIAV serait déclaré insolvable. Un léger souci subsiste, en revanche, en ce qui concerne le paiement des frais d'inscription, étant donné que le délai pour ce faire est déjà expiré. Selon les explications apportées par le ministre Paul Rabat, il n'est point question de rembourser ces frais d'inscription. En réalité, le salaire des maîtres Fram et le montant des frais d'inscription seront dissociés et ne seront plus regroupés au sein de la feuille d'inscription.